tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve parce que à mon travail, les filles elles ont eu l'idée de lancer tous les samedis un make-up un peu fantasy. On s'est fait une grosse boîte, on a mis chacune beaucoup d'idées à l'intérieur. Et tous les vendredis, il y en a une de nous qui tire un petit papier. Le thème du jour, c'est Spider-Woman. J'avais envie de partager ce maquillage avec vous. Cette semaine, j'ai été un peu débordée, j'ai pas eu le temps de filmer une vidéo. Donc je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas me préparer avec eux et leur montrer un maquillage dans le thème Spider-Woman du coup. La semaine dernière c'était la Reine des Neiges, ça a plu à beaucoup de nos clients donc je me suis dit allez pourquoi pas, je vous montre. Alors là j'ai déjà fait mon teint et mes sourcils. Mon teint en ce moment j'ai un fond de teint qui est pas très adapté, enfin qui était adapté à ma couleur quand j'ai bronzé cet été mais plus du tout maintenant. C'est le teint Touche Éclat de chez Yves Saint Laurent, je l'ai en BR50 donc il est assez foncé et du coup je le mélange pour avoir un peu de lumière. La base de teint luminescence de chez Nocibé, cette base elle est vraiment magnifique, je l'aime beaucoup, elle va donner de la lumière, je sais pas si on va bien voir à la caméra. Du coup ça va éclaircir mon fond de teint histoire de l'avoir la bonne teinte, donc là on est plutôt pas mal. J'ai réchauffé mon teint avec la palette chez Denlight de chez Kat Von D. Au niveau du blush, je suis toujours sur mon incontournable, le blush de chez Nocibé, c'est le cocktail et crustacé. Et en ce moment, si je dis pas de bêtises, il est à moins 50%, donc autant dire qu'il revient à pas grand chose, donc c'est plutôt pas mal. Les sourcils, bah comme d'hab, Anastasia Beverly Hills, la Deep Brow Pomade. Pour mes paupières, j'ai appliqué une base et toujours sur la Painterly, le Pen Pot de chez MAC. Le Soft Ochre aussi, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Il a séché et là je suis dégoûtée parce que l'autre fois je me suis maquillée, j'ai laissé un peu ouvert et du coup ça a un petit peu séché aussi, donc il va falloir que je me rachète une base. Après les bases, vous pouvez très bien détourner, c'est ce que je dis, mais vous prenez un anti-cerne, même vraiment le plus bas de gamme, enfin au niveau prix. Vous mettez sur vos paupières, vous poudrez. Donc, Spider-Woman, je sais pas trop sur quoi je vais partir, mais je voulais du bleu, je voulais du rouge. Du coup, mon rouge, il fait plus rosé, donc je vais me rabattre sur un brick. Et je vais les prendre dans la palette Huda Beauty. Et c'est le Manester. Voilà, celui-ci qui est juste là. Il est vraiment super joli. Un pinceau, ça peut être pas mal. Et celui-là, je vais le mettre vraiment en creux de paupière. Je vais essayer de l'étendre au maximum. Je voudrais qu'il soit assez foncé. Je sais pas si ça va marcher. Le secret, c'est l'estompage. Vous le savez, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je voudrais bien intensifier. Je pense qu'en base, sur ma paupière mobile, je pense que je vais mettre du bleu. Je l'ai fait hier et c'est vrai que pour mes yeux verts, ça les fait bien ressortir. C'est un peu comme le rose. On va éviter non plus de faire trop chargé parce que bon, on n'est pas encore sur Halloween. Si je commence à faire peur aux clients maintenant, ça va pas le faire. Mais pour Halloween, c'est clair et net que... Il y aura un maquillage, vu que c'est en semaine, hein, je crois que c'est un mardi. Il y aura un maquillage Halloween avec les filles, on s'est dit que ça pourrait être pas mal. Et du coup, ce sera un petit peu chargé. J'aime plutôt pas mal. Je vais réaccentuer encore un peu. Alors, on va laisser comme ça. Ce que je vais faire, je vais faire qu'un œil, comme ça vous verrez, je ferai le deuxième hors caméra. Ce que je vais faire, je vais rester du coup toujours sur ma palette et je vais prendre le BAE. C'est un petit beige juste ici. Et lui, je vais venir mettre juste sur mon sourcil. Histoire de donner un peu de lumière. Et de raccorder un peu. Pas que ça fasse trop bloc. Je vais faire de suite mon dessous d'œil, comme ça ce sera fait. Je prends un petit pinceau biseauté et je reprends la même couleur que j'ai mis sur ma paupière mobile. Et je viens le faire mon ratine inférieur. Quand il regarde dans ses yeux, il ne sait pas qu'il est sûr quand elle dit
She tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nobody matters like you. Pour ma paupière mobile, je vais partir sur la palette de chez Gwen Stefani, de avec Urban Decay, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et je pense que je vais partir sur le bleu qui est juste là, le Danger. Il est juste magnifique. Après, il faut l'appliquer au doigt. Bon, les couleurs de Spider-Man, bleu, rouge, noir, blanc. En plus, ce fard, il est très poudreux. Si je veux bien, je sais pas si vous voyez, il y a déjà pas mal de chutes. Et il y a, bah oui, t'aurais dû faire ton teint après. Bah non, je le fais avant. J'aime bien le faire avant. Je vais venir me mettre un crayon noir en ratil. Mon crayon noir, c'était celui de chez Lancôme, le noir. Le 01. Je vais prendre pour faire un liner le NYX Epic Ink Liner. Ce liner, il vaut 10€. C'est juste une méga tuerie. Il est fin, il est vraiment super bien. Et même pour des débutantes qui ne savent pas poser des liners, j'ai envie de dire, investissez dans celui-ci. Hein. J'avais investi dans celui de chez Kat Von D qui vaut 21€ si je dis pas de bêtises. Mais alors celui-ci, c'est une pure tuerie pour 10€. Vous en avez largement rapport qualité-prix. Il est vraiment top. Moi, je suis fan. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo que NYX, ça y est, avait ouvert à Grenoble. Je vous montrerai mes achats parce que bah forcément, j'ai craqué. Il vaut pas cher, il est sympa et à utiliser, vraiment top. Donc, je fais un liner. Regardez comme ça se pose hyper facilement. Celui-ci et les colorés, ils sont vraiment top. Par contre, j'ai acheté le blanc et j'ai envie de vous dire, le blanc, c'est pas génial quoi. Il est vraiment pas génial. Je suis vraiment pas fan. Vous avez vu la simplicité pour faire mon liner. Donc, ce que je vais faire, c'est que mon liner, je vais l'étendre au maximum. Ou après, je vais faire ma toile. Hop. Et après, je vais raccorder. On fait des U en fait. Des U à l'envers. Je pense qu'on est pas mal. On va rester comme ceci. Peut-être remettre un peu de noir là, juste histoire de relier. Vous voyez, j'ai mis légèrement du noir. Je fais le deuxième œil. Et on se retrouve juste après. Et voilà, on se retrouve. Le deuxième œil est fait. J'en ai profité pour faire une petite araignée sur le côté, toujours avec mon liner, hein. J'ai fait un petit rond, un gros rond et j'ai fait des petites pattes. Je trouve ça assez sympa. Du coup, il nous reste le mascara, les lèvres. Alors les lèvres, je sais pas, est-ce que je pars sur quelque chose de foncé? Je pense que ce serait pas mal. Donc je pars sur le mascara Pump and Volume de chez Dior. C'est vraiment le mascara en ce moment que j'ai en coup de cœur, donc en haut en bas. Petite parenthèse, si on n'est toujours pas abonné à ma chaîne, on n'hésite pas, on clique, on s'abonne, on met la petite cloche si on veut rien louper. Je pense que je vais faire des tutos Halloween, là j'aimerais beaucoup, enfin faut que j'ai le temps. Je vais essayer, je vous promets rien. À me suivre sur Instagram, vraiment sur Instagram, parce que Instagram j'y suis très très présente. Donc au niveau des lèvres, je pense que je vais partir sur le Matissime de chez Nocibé, le 12. C'est vraiment une tuerie, ce rouge à lèvres. Je vais mettre un crayon dessous parce qu'il a tendance un peu à filer dans les petites ridules. Et moi, j'ai vraiment plein de petites ridules et c'est chiant. Donc, je vais mettre un crayon de chez Bourjois. C'est le numéro 9, Plump It Up, qui est juste comme ça. Donc je reste dans ma palette de chez Gwen Stefani, la Urban Decay, et je vais prendre le Bass Weather. C'est le deuxième en partant. J'aime beaucoup en ce moment. Donc sur toute la pointe du nez. Hop. Pas que sur la pointe, je trouve ça pas très joli. Au-dessus des lèvres. Et juste ici.
Les gens ils vont me croiser, ils vont me dire mais c'est quoi cette folle. Bah écoutez, désolée, mais moi j'aime. Voilà, j'aime ce qui est extravagant, j'aime quand c'est coloré. Je voulais me faire les sourcils bleus, mais bon, après on sera peut-être plus trop dans le thème. On va rester comme ça. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut si vous avez aimé. Un petit pouce sur le bas. Sur le bas. Vers le bas si vous n'avez pas aimé. De toute façon, sachez que vous le ferez. Mais n'hésitez pas à m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner, comme je vous ai dit. À me suivre sur Instagram si vous voulez partager. Avec grand plaisir. Et puis voilà. En attendant, et ben, portez-vous bien. Profitez de la vie. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort. Ciao.